Vous voulez lui demander quelque chose? Non. Merci. Merci à vous. Vous vous posez encore des questions? Parce qu'il dit qu'il faut arrêter de se poser des questions encore aujourd'hui. Non. Que tout va bien maintenant. D'accord? C'était qui pour vous? Parce qu'il y avait un grand lien qui me dit. C'est pour vous. Voilà. Parce que, c'est comme si voilà, j'avais une relation presque de frère, mais c'est pas pareil. C'est pour ça que je vous demande c'était quoi vraiment les liens. Parce que c'était très fort. D'accord? Voilà. Avec le. Il me dit, rappelez-lui un peu l'histoire de la balançoire. Quand on avait, oui. Dans les 12 ans, oui. C'est ça oui. En arrière oui. Bêtement, il dit. Oui. Mais c'était drôle. Je me suis foutu de ça trop longtemps, pendant des années, et j'en rigole encore aujourd'hui. De toute façon, elle est maladroite. Oui. Il dit, elle est un peu comme ça. C'est votre maman? Oui. Vous l'avez bien connue du coup. Hein. Il me dit, j'allais souvent chez eux. Oui. Qu'est-ce qu'elle cuisinait bien? Il vous demandait souvent de faire des gratins ou je sais pas quoi. Oui. Il dit que vous mettiez pas mal de gruyère et tout ce qui va avec. Oui. Et la crème est délicieuse, qu'il dit. Et vous refaites ça à vos petits-enfants et ils vous font les mêmes remarques, plus ou moins pareil, parce qu'apparemment ce gratin là il est pas bien apprécié. Il était souvent en balade. Il me dit qu'il se promenait souvent. D'accord. Il était assez grand. Parce que il me dit grand et sec. Oui, c'est ça. Un athlétique. Il a fait des marathons ou de la course, etc. Parce qu'il monte comme un. Le sac à dos sur la moto. Il monte un truc comme ça sur les épaules, mais je cherche à voir davantage parce que ça me fait penser à des bretelles, quoi, comme ça. D'accord. Il y a la salopette de moto. D'accord. Donc c'est pas un t-shirt, c'est des bretelles qui descendent comme ça jusqu'à là. Oui. Il y avait de l'eau pas loin de l'accident. Oui. C'est pas proche, mais c'est oui. Quelques mètres plus haut. Oui. D'accord. Vous avez mis du temps à le trouver. Ils ont mis. Parce qu'ils me disent, ils ont cru que j'étais là-dedans. J'avais volé là-bas. On a dû chercher toutes les possibilités qui étaient envisageables. Projection. Et il fait. Oui, forcément. Il y a une douleur de dos, etc. Il a été arraché. La tête a tapé contre lui, c'est la douleur de sécurité. Mais au niveau du corps. Il y a eu des chocs, il n'y a pas eu. Il ne me souvient pas que ça a été un peu fissuré. C'est ça, c'est dans la colonne. D'accord. Il était très sur ses dents. Oui. Et il me dit, parlez-lui de mes dents. Oui, toujours ses dents. Et il avait problème de machin. D'accord. Vous avez commencé à écrire tout ce que vous aviez fait ensemble. Parce qu'il me dit que si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez commencer à l'écrire. Ça vous rappellera tout ce qu'on a fait. Et ça la fera bien rire. Il dit que c'est comme l'histoire du pommier.
Non, pas du tout. Faut voir des rapports. Vous aviez souvent un élastique dans les cheveux? Oui. Parce qu'il me dit qu'il vous attrapait par la queue. Oui. Il s'amusait à vous planquer les choses? Oui. Pour vous faire croire que vous l'aviez perdu, etc. Oui. Et vous le rendez le lendemain? Oui. Histoire de vous faire cogiter. Oui. Il aimait bien vous taquiner à l'école. Et il vous a tiré la chaise une fois. Il dit alors, celle-là, on rappellerait toujours. Vous avez les pattes pour voler en l'air. C'est ça. Vous avez essayé de jardiner? Parce qu'il nous dit qu'il faut qu'elle arrête, c'est pas pour elle. Vous comprenez pourquoi? Ben non, je trouve que c'est bon, pourquoi c'est pas bon? C'est par rapport à vos mains. Ah non, non. Je ne comprends pas. Ah non, c'est pas bon. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi du coup? Ouais. Vous faites quelque chose avec des patates? Avec des patates? Une part des patates. Je ne mange pas. Pourquoi? Eh ben non, mais il me parle des patates, il m'en met trois comme ça et c'est tout. Donc c'est surtout pour dire je ne mange pas de patates quoi. Ouais. Vous aimez bien les lunettes de soleil? Il me dit qu'il fallait toujours qu'elle ait ses lunettes de soleil avec elle. Elle allait même des fois faire demi-tour pour aller les rechercher. Vous voulez lui demander quelque chose? J'ai un seul regret. C'est les derniers mots que je lui ai dit, c'est tu vas te tuer avec ton grand jeune mort. Avant même que vous avez fini, il dit il faut pas. Et avec la main comme ça. Il dit il faut juste se rappeler de tout ce qui était bon pour nous. Ça, c'est pas important. Il me dit qu'elle préfère se remémorer les histoires de la bibliothèque et tout ce qui va avec. Et les toilettes aussi. Apparemment, il y avait des sacrés. Il a essayé de monter sur quelque chose à l'école. Il s'est fait reprendre. Comme sur un toit ou un poteau. Et il me montre comme s'il sautait quelque part et qu'il a dû s'arrêter en cours. Parce qu'il était grand bonheur. Oui. Il dit j'en jouais de tout ça. Oui. Il vous disait la naine. Oui. Il dit je l'appelais la naine. Vous voyez sa maman? Oui. Plus tard, amie. D'accord? Oui. Et des proches d'elle? Oui. Parce que. Et elle a encore du mal. Oui. D'accord? Plus tard, amie. Lydie me disait souvent je t'aime. Et Lydie, quand elle me réveillait, elle prenait le temps parce qu'elle savait qu'il ne pouvait pas me presser. Vous avez prévu de faire une fête? Ou de sortir quelque part? Vous êtes souvent en retard? Oui. Freddy, il ne faudra pas être en retard par rapport à ça. Ah oui, on a rien. D'accord? Par rapport à être en retard. Bon. Merci à lui. Merci.
Une Ghislaine, est-ce que ça parle à quelqu'un? Non? Donc si ça parle, vous me le dites. C'est la réunion. C'était votre papa. Il a pris beaucoup soin de vous. Parce que c'est la première chose qu'il me dit. Dites-lui, elle comprendra. Il me dit, dites-lui que j'ai pris soin d'elle, elle comprendra pourquoi. Il fallait qu'il boive beaucoup d'eau pour s'hydrater. Voilà. Il avait la bouche un peu de travers. Parce que j'ai cette sensation de décalage dans ma bouche. D'accord. Il avait plus ses dents. Parce qu'il fait comme ça, c'est ce qu'il faisait. C'est lui qui essayait de vous faire comme il peut. Il a eu un problème à un poignet ou à une main. Un poignet. C'était bleu. C'était bleu et c'était bleu aussi l'alliance. Il a coupé l'alliance. Ah ben c'est pour ça qu'il me fait le faire avec cette main-là. Voilà. Alors. Oui. D'accord. Rapport à ma bague. Il en a longtemps parlé parce qu'il me laisse accrocher comme ça. Oui, il avait, après, comme la griffe, il avait les doigts qui étaient. Ah, ben c'est pour ça alors que j'ai les doigts comme ça. D'accord, ok. C'était pour aller jusqu'au bout. Ok. Ça s'est pas bien refait. Non. Au niveau d'ici, là, dans la jonction, il me fait toucher voilà, et comme si sa main elle était morte, voilà, elle était plus aussi énervée comme avant. Il chantonnait souvent à faire ça. Il se mettait souvent derrière les vitres. Tout le temps. Parce qu'il me dit, ça c'était mon truc. Il a loué. Il a perdu son jardin. Et il fait une mouche. Ça tapait. Tu me dis, ça c'était mon truc qui était là. Là je l'apprenais comme ça des fois. Et il faisait au revoir des fois, comme ça, avec la tapette. Et il me dit, comme ça, quand il s'en allait. Jaune. Il en a eu tellement, j'ai dit. Il est changé chaque année. Mais à chaque fois, il avait une électrique. À chaque fois, il lui achète. Il avait tout un tapin mental. Il était voûté. Parce que là, il me fait baisser comme ça. Et à regarder comme ça. Qu'est-ce qu'il faisait avec des boîtes de conserve? Il peut garder tout, les boîtes qui étaient divises, les boîtes de conserve, je les mettais, il les alignait, je ne sais pas quoi. Oui, d'accord, ça serait aligné. Comme ça. Il mettait des choses en dessous, comme ça. En dessous d'un établi, c'est ça? Parce que c'est en bois l'établi. Oui, en bois. Voilà. Du coup, il me fait. Il lisait quelques bouquins. Aussi le journal. Un petit magazine comme ça. C'est très fin. Oui, mais c'est ça. C'est, vrai. C'est quoi? Le sponsoré de la mairie. Un petit journal de la mairie. D'accord. Je pense que c'est...
qu'il a eu à ses 75 ans? On parle de ses 75 ans. Qu'il s'est passé quelque chose et que c'était plein de choses, il me dit derrière. D'accord. Il me dit j'étais heureux là. Il aidait beaucoup. Il me dit, il fallait toujours que je tende la main aux autres pour aider, accompagner.